Ça a l'air qu'Oméga, il est un papa. Ouais, t'es-tu le petit-fils à Oméga, ton papa qui est pris dans la machine? Salut tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Moi, ça va bien. Nouvel épisode de The Crack Pack, Feed the Beast Crack Pack. J'ai fait du ménage, beaucoup de ménage, pour ceux qui se souviennent. Là, on va enlever ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Ça gaspille beaucoup d'énergie, malgré que j'aurais pu m'inquiéter l'énergie après l'épisode d'aujourd'hui. Pour ceux qui se souviennent, il y avait plein de machines ici. Il y avait mes Smeltry qui s'occupaient à gérer les métaux qui rentraient de la quarry. Puis ça, j'ai tout déménagé ça. J'ai mis ça beau ici. Il a fallu que je rajoute une petite juste pour l'aluminium. Parce que l'aluminium, je ne pouvais pas l'inclure avec lui. Parce que les métaux qui passaient dans cette machine-là, s'ils se mélangeaient, certains métaux, il y en a un. Je me souviens plus c'est lequel. Se mélanger avec l'aluminium, ça faisait un alliage. Fait que je ne peux pas envoyer l'aluminium là. Même situation ici. Ici, il y a le cuivre. Puis le cuivre, l'aluminium, ça fait un alliage. Fait que je ne peux pas mettre l'aluminium ici non plus. Fait que j'ai fait la petite machine. C'est juste pour l'aluminium. Fait que c'est ça. Yeah! J'embellis mon spawner. Et ces machins-là. Là, on parle de ça. Il m'en reste en masse de poudre à canon. Fait que j'ai tassé quoi? J'ai tassé les outils par ici. Des fois, j'ai besoin d'un smeltery juste pour faire des petites expériences, des petites affaires. Fait que je l'ai mis là. J'en avais pas besoin de chaque côté ici, vu que je m'en sers pas souvent. J'ai remplacé. J'ai mis une porte de garage. Il faut que je fasse quelque chose de plus fancy pour l'ouvrir et la fermer. Parce que là, c'est juste un levier en bas à terre ici, mais ça fait le boulot. J'ai enlevé la grosse plateforme qu'il y avait là. J'ai commencé à travailler sur des échafaudages ici pour marcher en haut sur les passerelles. Ça fait cool. I like. Ben, quand je change chauve-souris, ça fait pas trop beau, mais anyways. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, j'ai besoin d'énergie. J'ai besoin d'énergie. J'étais allé manquer d'énergie. Je faisais des calculs sur mon ordinateur ici, sur mon PC. Comme vous pouvez voir. Puis c'est ça. Puis ça a été confirmé par mon laptop. J'ai sauté dans DecoCraft, c'est vraiment génial ça. Quand vous voulez décorer quelque chose dans Minecraft, surtout Minecraft modé, si vous l'avez, c'est vraiment génial. Il y a plein d'affaires que vous pouvez faire. Yeah! J'ai fait un petit plushie et tout. Il est tout cute! Fait que c'est ça, énergie, production d'énergie. Fait que je vais avoir besoin de certains ingrédients. Fait que je pense que je vais faire. Je vais ramasser les ingrédients que j'ai besoin. Puis je vais vous ramener pour construire au moins une des machines. Je vais en construire 8 au moins, mais je vais en faire une avec vous autres, puis le reste, je vais le faire hors caméra. Fait que je ramasse les ingrédients, puis je reviens. Ah, un autre trophée à rajouter sur mes affaires. Je suis mort dans la toilette parce que j'avais besoin des petites fleurs jaunes. Je me dis, la toilette, c'est safe la toilette, hein? Il n'y a pas de danger, la toilette, c'est fait pour le monde qui aime les affaires paisibles et tranquilles. Fait que je me suis fait tuer par un loup. Yeah. Puis c'était one shot avant ça, c'était un dire wolf. Anyways, je pense que j'ai pas mal tous les ingrédients que j'ai besoin pour commencer. Par là, ce que je veux dire, c'est que j'ai probablement oublié quelque chose, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Oh, une affaire, j'ai oublié, moi, il dit de commencer à travailler là-dessus. Turbine. On va avoir besoin d'une turbine. Fait que pendant qu'il travaille là-dessus, on va aller ici. Je pensais installer ça ici. Je pense que c'est un bon endroit. On peut quand même se coller ici. Le modèle que j'ai inventé est relativement compact. Fait que on va commencer par lui. Lui, c'est un steam boiler. Lui, je génère de la vapeur. Je devrais être correct, donc perfect, perfect. Ce steam boiler-là a besoin de deux choses pour fonctionner. De l'eau, qui va être générée par ce gentil petit. Ou quoi? Okay. Aqueous Accumulator. Pourquoi un Aqueous Accumulator? Là, je viens de penser. J'ai oublié certaines choses. Boum, 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 boum. J'ai besoin de 16 fois ça, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Puis si je me suis trompé, puis c'est trop, ben je n'aurai pour le futur.
Là, pour commencer, je reviendrai plus tard. Pourquoi un quiz accumulateur? Parce que je trouve c'est probablement un des seuls qui fournit assez rapidement l'eau pour nourrir cette affaire-là. De l'autre côté, à côté de lui, on va mettre un fluid transposer parce que on peut pas l'alimenter directement en lave. Lui, il faut lui donner des buckets de lave pour une raison inconnue. Là, ça va me prendre un servo. Oh. Que j'ai oublié. Les servos. Oh, j'en veux un signalum. Moi, je veux les ceux-là, ici, là. Donne-moi-en un. 1, 2. Iron Nugget. Seriously? Iron Nugget. J'ai plus d'Iron Nugget. Si on s'en fait une coupe, Nugget. Tout, tout, tout. Donne-moi-en ça. Parfait. Ça va être bon pour quelques années. Bon. 1, 2. 1. Comment ça, Iron Nugget? Il manque des Iron Nuggets. Most likely. Ok, là, il n'y avait pas les bonnes nuggets. 2, 3, 4. Probablement, je n'avais déjà amplement des nuggets. C'est juste que j'avais pas les bonnes nuggets dans la recette. Ok. Emmenez ça avec moi. Perfect. Wouhou! Fait noir ici, je vais peut-être mettre de l'éclairage. On verra ça plus tard. On va tout faire quelque chose de beau. Bon. Lui, il va cracher par la gauche. C'est-à-dire rouge, whatever. Il va accepter. On peut le faire par l'arrière. je suis immature. Fait que là, les buckets vont sortir de là. Parce que c'est ça. Mais qu'ils soient vides, ils vont aller là. Ils vont rentrer dans le transposer. Puis ressortir ici comme ça. Fait que ça va me prendre un item dock que je n'ai pas. Je savais que j'avais oublié des ingrédients, hein? Je me connais, moi, je me connais. Là, lui, je vais y mettre des augments pour l'accélérer, mais c'est pas une nécessité, honnêtement. Parce que lui, il travaillera pas dur, fait que même si j'ai celui de plus de base possible, il fournirait amplement. Fait que lui, tu vas avoir un cerveau. Puis on va lui dire, on va faire un whitelist de ça. Parce que je veux juste qu'ils sortent les buckets vite, les buckets pleins, et je veux qu'ils les laissent là. Ok. Tout, tout, tout. Là, ça va y prendre de l'énergie, lui, bien entendu. Fait que lui, on va y fournir de l'énergie avec ça. Lui, c'est un transposer, il a besoin de lave. Il va accepter aussi vers la droite, hein. Une put vers la droite. On twist ça. Parfait, il se remplit de lave. Puis, ça va me prendre un Arden Fluid qui va nourrir cette petite génératrice-là en énergie. Perfect. Qui va nourrir ça en énergie. Perfect. J'aurais pu patenter un système après ça, quand la turbine est construite, de prendre l'énergie de la turbine pour nourrir ça, mais. C'est simple comme ça. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ça, c'est ça, c'est ça. Lui, il va passer une chaudière entre les deux. Il va juste manquer l'eau. L'eau, je peux mettre avant-arrière. Je pense que c'est ça qui va arriver. Lui, je vais lui mettre des belles petites affaires de même. Puis on va mettre l'eau là-dedans. Ça. Comme ça. Fait que lui devrait se remplir d'eau, mais là, il y a transfert là. On va y mettre des hogmen qui puissent fournir. Il doit finir avec les hogmen, lui, là. Yeah. Parce que lui, si je mets pas les augments, il fournira pas. Ça prend une grosse quantité d'eau. Bon, lui il est plein d'eau. Il manque juste à mettre un bucket là-dedans. Il s'en va là. Il va consommer le bucket. Non? Oui? Non? Ouais.
La température va commencer à monter, puis éventuellement, il va commencer à générer de la vapeur. Parfait, il prend une autre bucket. Il va commencer à... Ok, ça en vient tranquillement, pas vite. Fait que là, il manque juste à attendre que la chaleur monte ici. Puis qui commence à générer de la vapeur, ce qui peut prendre quelques minutes. Habituellement, c'est pas très long. Là, je sais pas qu'est-ce qui attend pour monter. Mais anyways, j'ai besoin de vapeur pour la prochaine étape, fait que je vais attendre quelques instants. Je vais vous couper ça là. Attendre quelques instants que ça réchauffe, puis je vais vous ramener. On le voit, ok, 20.1, wouhou! Mais ça va plus vite que ça, habituellement. On se casse pas la tête. Fait que. Yep! J'attends, puis je vous ramène. Bon, j'ai commencé à générer de la vapeur, comme on peut voir ici. Steam, plein de vapeur. Fait que là, prochaine étape, pas très compliqué. Hey, escape, escape. Et voilà, merci. On prend ça. Qui est le Steam Turbine de Railcraft. Ça en prend 12 pour faire une turbine. Je pense que je vais manger ça. Comme ça. Oups. 2, 3, 4, 5. Là, je le mets directement par-dessus la chose. Comme ça, la vapeur va être transférée complètement dans la turbine elle-même. Boum. Quand ça apparaît, ça veut dire qu'on a réussi. Fait que pour générer, il manque juste. Générer de l'énergie, il manque juste. Aïe, toi, tasse-toi. Aïe, aïe, aïe. Il manque juste ça. Dans le fond, j'aurais peut-être me prendre. Medium voltage va être en masse. Une génératrice de même à pleine capacité va produire 200. 200 RF par tick. Fait. Yeah. Moi, j'en 10. 10. Right, on retourne là-bas. On pourrait connecter ça sur le système. Comment je pourrais connecter ça? Puis je pourrais connecter dessus, I guess. Je ferai quelque chose de plus élaboré dans le futur. Pour le moment, ça va être correct. On met ça là. Fait que ça a l'air à marcher. Perfect. Vapeur, oui. Il faut transfert ces buckets. Nice! Nice! Fait que là, on a une petite unité ici qui génère 200 RF par tick. J'en veux 8 de même. J'en ai une. Il m'en reste 7 à construire que je vais faire hors caméra pour pas vous emmerder avec ça. Mettre ça comme ça. Comme ça. Fait que là, elle est connectée au système, fait que je produis de l'énergie en quantité pas industrielle, mais quasiment. Yeah! Tiens, veux-tu du poisson? Elle marche au poisson, c'est fantastique. Là, j'ai aucune requête en énergie, fait qu'elle, il produit pas d'énergie, mais c'est ça qui est ça. Fait que c'est relativement compact, on peut cacher ça. Relativement facilement. Tiens, tiens, tiens. Ça va être plus cute comme ça. Non! Salaud. Comme ça. Ah, c'est vrai. Parce que je suis une chauve-souris, j'ai encore le même problème que j'avais l'autre fois. Oh crap, j'ai tout cassé mon plancher. Non! Il manque un bloc. Wow. Bon. Ok, c'est réglé. Là, ça va marcher. Yep. Perfect. Fait que c'est simple, c'est relativement beau. Là, on va mettre ça, ça va aller mieux. Relativement beau. Yeah! Fait que je vais construire les 7 autres. Puis on va voir comment ça. M'a patenté quelque chose, là. M'a mettre ça plus beau, m'a fait les 7 autres. Connecter mieux ça au système, puis je vous ramène. Ça, on fait une sous-routine ici. Ça, okay. Bon, ok. j'ai fini mon installation. Ça a pris pas mal plus d'acier que j'avais prévu.
J'avais comme 1500 lingots d'acier de préparer et j'en ai manqué beaucoup. Fait que c'est ça, mais j'ai fini. Toutes les machines sont prêtes et fonctionnelles. Tout marche très bien. J'ai décidé d'enlever les petits. Les affaires de même. Pour montrer les pièces. Mais ça me fait plus beau quand on voit les pièces. Ça fait. C'est ça. Fait que ça, c'est mon groupe moteur, mon groupe production d'énergie. On parle de 1600, capacité de 1600 RF par tick. Fait que, avec ça, je pense que je devrais être bon pour un bout. Allez, Minou. Là, je pensais à ça me prendrait quelque chose pour stocker de l'énergie. Je pense ma meilleure option. Vraiment, les capacitors de Ender.io, je pense que ce serait les meilleurs. Eux autres, c'est 25 millions par. Mais ça me prend des octets. Oh, j'ai pas besoin de tout ça. C'est pas l'espace qui me manque. Ok, ça, c'est des Vibrant. Deprecated. Deprecated Capacity Ring. C'est quoi la différence entre lui et lui? C'est la même style d'affaire. Pourquoi qu'ils ont. Creative, c'est sûr. Basic Bank. Ça, c'est trop basic. Eux autres. Des double layers, je pense que c'est pas trop coûteux. Ça me prend du energetic alloy. Avec ces affaires-là. Mais ça, on peut en faire une bunch. J'aimerais ça en avoir beaucoup. Faire une grosse banque de capaciteurs. Puis du electrical steel. Comment que je produis de l'electrical steel? Du silicone. Puis du steel. Donc j'ai rien que ça à faire, moi, gaspiller de la steel. Ou je pourrais juste faire ça de même. Je pense à ça, là. Les P6, ça serait amplement. Ça serait très simple à faire. C'est 1 million par. Je peux en faire 20 millions. Hein. C'est pas beaucoup. Hein. Ça peut être 4x4, 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 16x4, 64. Je prends une 64. 64 millions. Une batterie de 64 millions. Je me ferais une batterie de sel comme ça. Les autres, c'est combien? C'est 80 millions, juste un affaire de même. Fait que je serais quasiment mieux avec ça. Je m'en faire plusieurs. Je vais penser à ça, je ne vous garderai pas avec moi, je vais penser à ça, je vais juste vous montrer où ce que j'en étais rendu avec ça. Je vais travailler sur une idée de stockage d'énergie, puis quand je vais avoir trouvé quelque chose qui me satisfait, je vous ramène. Bon, fait que ma meilleure option, je crois, sur toutes ces affaires-là, pas de cassage de tête, là, pourquoi il fait ça? Ça m'énerve. Ah non, faut que j'enlève lui de là, il y en met là, je peux plus cliquer, pour une raison inconnue. Je les fasse toutes, un après l'autre. Il y a certaines recettes qui me font ça, c'est fucking annoying. Et voilà. Fait que j'en ai fait 10 qui me donnent une capacité de stockage de 800 millions d'RF que je crois qu'il va être amplement pour mes besoins. Là, comment je vais installer ça? Je suis-tu à 5 du sol? Je pourrais peut-être faire. On va faire une chaîne. Regardez bien ça. Regardez bien ça. Je suis en train de penser. Je coupe ça ici. Un là. Un là. Miam, miam. Donne-moi ça. Je ne veux pas les gaspiller. Je fais ça comme ça. Un. 2, 3, 4, 5. Ah, bon, attendez. Non, on recommence. Je les veux, comme ça ici. Je vais avoir la face ici que je vois l'énergie, le devant ici. Je vais avoir de ce côté, comme ça, je vais pouvoir voir la quantité d'énergie stockée juste au un coup d'œil. Éventuellement, je vais pouvoir mettre un écran ou quelque chose qui va me dire la quantité d'énergie dans mon système. Puis là, comment je peux arranger ça? M'arranger ça comme ça.
Là, je vais tout mettre pour qu'il puisse transférer l'énergie de ce bord-là. Ok, ok. Mettons, je fais ça comme ça. Toi, tu acceptes de ce bord-là, puis tu craches de ce bord-là. Accepte là, crache là. Ah. Ok, je pense que ça va faire le job. Oups, comme ça. Comme ça. Oups, voyons, teacher, come on. Bon, ça a plus de bon sens. Ça commence à accumuler. Ça va prendre un bout avant de les remplir. Je veux dire, c'est 800 millions d'RF quand même. Ces machines-là vont marcher à pleine capacité, probablement. Zéro. OK. J'ai-tu un retard là-dedans? Ouais. Pourquoi tu es à zéro, 100%? 100%. 100%. Pourquoi qu'elle est à zéro? C'est parce que j'ai pas de production. Oh, j'ai pas de production de vapeur ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui me manque? Il me manque de la lave. Pourquoi qu'il me manque de la lave? Le bucket est là. J'ai pas d'énergie. Pourquoi j'ai pas d'énergie? J'ai oublié de mettre un tuyau ici. Un Arden. Et voilà. J'ai oublié de mettre ça ici. Parfait. Bon, bucket de lave. Fait que lui, il fonctionne. Vu que le checker fonctionnait. Fonctionne. On va checker en haut aussi. Faire sûr que tout le monde est fonctionnel. Yeah! Alright! Fait que là, ils sont 1600 RF par tick qui s'en vont dans ces batteries-là pour le moment. Là, elle s'est remplie plus que les autres. Mais ça va prendre un bout avant de les remplir. Yeah! À combien de temps je suis rendu? Je sais même pas combien de temps je suis rendu. C'est pas grave. J'ai une autre affaire que je voudrais m'occuper aujourd'hui. Ces affaires-là, je passe mon temps à venir les remplir de pyrothium. J'aimerais ça un système de production automatique de pyrothium. Puis, qui tient ça plein. Fait que je pourrais prendre des tanks... Ender Tank. Ouais. Fait que... 3 Ender Tank, une quatrième là avec un Magma Crucible juste pour fondre du Pyrothium. Puis un Provider qui provide du Pyrothium Dust au Magma Crucible. On peut attendre ça? On fait ça? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment? Ok, ok. Si vous dites oui d'abord, ok, on va le faire. Fait que je vais ramasser ces ingrédients que j'ai besoin. Puis juste pour garder la tradition, je vais oublier certains ingrédients qu'il va falloir que je crafte plus tard. Fait que c'est ça. Fait que je fais les premiers ingrédients. Puis je pense que c'est ceux que je vais oublier. Puis je vous reviens. Oups. Ok, j'ai tous mes ingrédients, dont aussi les ingrédients que j'ai oubliés. Que je ne sais pas encore que j'ai oublié parce que je suis... Je suis pas encore rendu à ce point-là dans ma vie. Ah, c'est ça, j'ai oublié. Malgré que j'ai peut-être ce qu'il faut sur moi. Non, je n'ai pas ce qu'il faut sur moi. Je les ai tout pris. Ben oui, toi. Ça me prendre. Est-ce que j'en ai ici? J'en ai quelques-uns. Donne-moi ça. On va le prendre les 11. Ok, il faut que je trouve une place pour mettre ça. Je pensais mettre ça ici en arrière-plan quelque part. Ici, je pense que ça va être une bonne place. On va couper le tuyau ici. On va faire un petit dégât. Mais c'est pas grave. C'est juste du bois. Alright. Pas si gros dégât que ça. Hein? Aussi... Je pense. Donnez-moi 2 secondes, comme ça. Non, c'est pas ça que je veux, dans le fond. Va-t'en, toi! Retourne! Sors de ce corps! Ça. Fait que si je mets mon châssis ici, puis je tombe en bas de mon perchoir, là... Ça, c'est un input ici qu'il faut que ce soit. Toi, tu in, tu vas outer vers là. Outer. Très bon français, hein? C'est excellent. On va mettre un de ces machins trucs-là ici.
Là, ici, il espère une connexion. C'est juste qu'il faudrait juste mettre à jour le tuyau. Là, ça me fatigue. Je vais le faire tout de suite. Et voilà, la connexion s'est faite. Bon. Là, j'ai un de ces machins trucs-là. Un Active Supplier Module. J'espère que c'est ça que j'ai besoin. Tu as le passif, tu as l'actif. Le passif, je pense que tant que tu en as dans ton inventaire, il va fournir la machine. Puis quand il n'y en a plus, il arrête d'en fournir. Le actif, lui, il va dire aux machines d'en crafter. S'il en manque, d'en crafter. Puis c'est ça que je veux. Je veux qu'il en crafte s'il en manque. Tu peux pas y aller 10 à la fois, Asti. Oups. Oh my god. Comment je fais pour aller 10 à la fois? Shift, shift. Shift, right click. C'est tellement intelligent, ça. Tiens, on va dire de garder. Asti. Garder un stack. Et voilà, bon. Puis on dit même a partial. Oh, je me suis mordu à la langue. Quelle agilité, mesdames et messieurs. Là, lui, il a de l'énergie en masse. J'avais pas besoin de mes flux pipe. Est-ce qu'il va en faire crafter? Est-ce que je vais voir du stuff apparaître ici? En théorie, il serait supposé dans. Non, il faudrait que je mette la carte dans le tuyau, ouais, hein? Là, il serait supposé de commander du pyrotium dust puis le faire cuire là-dedans. De le faire fondre là-dedans. Pas le faire cuire, juste le faire fondre. Fait qu'on va attendre 2 secondes. On va espérer. Si ça ne marche pas. Ah, je vois quelque chose s'en venir. Bingo, bango. Là, il met ça là-dedans. Perfect. Fait que techniquement, j'ai juste à mettre ces tanks-là ici. Puis mes smeltery vont toujours être pleines de ce joli et délicieux liquide. Délicieux parce que j'ai déjà goûté. C'est un peu piquant, mais c'est bon. Ok, j'ai rien à dire, j'admets. Ah, génial, c'était plus simple que je pensais. Fait que ce petit système-là va tenir ça plein de pyrotium. Là, entre les épisodes, je vais tenter de trouver un monde rempli d'amour et la paix règne partout. Un monde parfait, un paradis. Non, ok, j'arrête. Un monde RF Tools. Voilà, là, je me suis mis en petit bonhomme comme ça, en moi-même, pour une raison. Pour pouvoir venir ici et voir comme c'est supposé être vu. J'ai fait cette belle petite rampe avec des. Une belle vue d'en bas sur le système, sur mes systèmes. Une nouvelle génération d'énergie. J'aime le look de mon entrepôt, honnêtement. Fait que c'est ça, les mondes RF Tools ici, comme ça. J'aimerais ça en créer un. Essayer de trouver le petit chose, le petit module qui parle de lave et celui qui parle d'océan, puis faire un monde juste un océan de lave pour fournir mes machines en lave. Là, c'est le Nether qui fournit en lave, qui honnêtement, probablement qui serait amplement. Je vais déménager ma pompe de place au besoin. Mais j'aimerais ça avoir un océan de lave dans un monde RF Tools. Avec un petit système de sécurité. Ça en vient. Avec un petit système de sécurité pour. Vu que les mondes RF Tools, ils consomment d'énergie pour rester en vie, pour rester fonctionnel. D'avoir un système que l'énergie, si le monde RF Tools descend en bas d'un certain niveau d'énergie, que tout coupe, sauf l'alimentation, ce monde-là, pour être sûr que. Ça manque jamais d'énergie parce que si le monde RF Tools manque d'énergie et je n'ai plus accès à la lave, je n'ai plus accès à l'énergie parce que pas mal tout mon système, même ce petit système d'appoint-là, est basé sur la lave, malgré que j'ai toujours ce système-là qui me fournit de l'énergie, pas une quantité industrielle, mais qui me fournit de l'énergie qui n'est pas basée sur la lave. Fait que je suis pas mal pris. Mais anyways, blablabla, je prends un peu de l'avance sur moi-même. Fait que on verra ça dans un autre épisode. Pour le moment, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Vous connaissez la routine, hein? Laissez un j'aime, un commentaire, suggestion, n'importe quoi. Puis on se parle dans le prochain épisode. Bye le monde.